Au terme des 3 semaines de formation théorique et pratique intense, les élèves des forces de défense et de sécurité nigériens implantés à Agadez ont démontré les compétences et techniques acquises lors de la formation du cursus technique opérationnel d'intervention à travers la simulation pratique d'un scénario opérationnel réel auxquels ils sont susceptibles de faire face dans le cadre des futures activités de service. La région d'Agadez occupe une position extrêmement importante au Niger et l'Italie veut, à travers la mission italienne MISINE, continuer à accompagner ces institutions afin de renforcer les liens déjà créés ensemble. Le commandant de la Légion de la Gendarmerie nationale d'Agadez s'est appesanti sur les résultats probants enregistrés. Cette formation a porté, entre autres, sur les principes de la sécurité dans l'utilisation des armes, la prise en charge des blessés sur le terrain d'opération, la protection des droits de l'homme, le contrôle des circulations routières, les différentes formes d'intervention. Un exercice de simulation a été présenté aux autorités régionales, un réel motif de satisfaction exprimé par le gouverneur de la région d'Agadez. J'ai personnellement été édifié par ce que je viens de voir et des pratiques très scientifiques qui sont appliquées, quel que soit le comportement de l'individu, du suspect, j'allais dire. Et au nom du président de la République, du ministre de la Défense, du ministre de l'Intérieur et des populations de la région d'Agadez, je vous dis encore une fois merci pour ce que vous êtes en train de faire pour nous. C'est par la remise des certificats de fin de formation aux 3 premiers élèves et des cadeaux composés des turbans et portefeuilles aux formateurs et aux chefs de mission MISINE qu'a pris fin cette importante cérémonie.